Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play European Series 4 avec Lewis et Guy. Toujours pas beaucoup de voix, donc je vais faire de mon mieux, pardon. Je pense que cette guerre va plus durer trop longtemps. On est à 30%, ce qui est vraiment pas mal. Et bon, il s'agit encore de le passer dans le rouge, mais ça devrait pouvoir se faire, j'espère maintenant, assez rapidement. Enfin, j'espère. Ok, là, on va continuer à. Du coup, est-ce que je vais pouvoir. Ah, je vais pas pouvoir. Merde, je peux pas coloniser l'Afrique là parce que j'ai qu'une seule. Si, normalement, je devrais pouvoir ici. Ouais, c'est bon. Ok, ça, je m'en fous un peu. C'est chez eux. Là, on va reprendre cette province. Là, on va aller débarquer. Je suis à 36 000, c'est pas mal. On va aller débarquer dans toute cette région. Ça va pas me faire du score de guerre, mais j'aimerais bien croiser sa flotte encore. Et voir si je peux pas faire quelque chose à ce sujet. Là, on va être chaud quand même. Je sais pas si je peux y aller tout seul. Je suis pas sûr en fait. Je suis pas très rassuré. Le terrain est pas favorable. Là, j'ai perdu tous mes généraux. Non, j'en ai encore un. C'est pas terrible comme bataille, évidemment. On n'a pas l'avantage du terrain. Il n'y a plus de flotte, hein. Elle est partie. Enfin, il est repassé dans le vert. Ok. Donc là, c'est gagné. Ah, ça, c'est chiant ce bug. Par contre, là, je suis pas sûr. Si il voulait venir avec moi, mais je suis pas sûr qu'il veuille. On va essayer quand même parce que j'aimerais faire en sorte qu'il reprenne pas le fort. Ouais, là je suis pas trop rassuré, j'avoue. Je suis pas trop gagnant là. On verra. On verra. Ou alors je pourrais venir en marche forcée avec ce qui me reste là. Je pense que j'arriverai à temps. Ok, c'est cette armée-là que je voulais me faire. Est-ce que... Ouais, je peux y aller. Hein. C'est 4000 hommes, mais c'est 4000 hommes espagnols pour le coup, donc ça change tout. C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Ok, ça c'est bon. Et par contre, il en amène 10 000, mais normalement ça devrait le faire. On les a pas eu là, j'hallucine, putain, ils sont pas morts. Par contre, ceux-là, ça le fait, on va les faire. Là, on a gagné quand même. Ouais. Ok. Alors, la marche forcée me coûte cher dans cette guerre, hein. Comme je l'ai dit, tant qu'on n'a pas le bonus là qui fait qu'on paye pas la marche forcée, c'est un point par province, donc ça va relativement vite. Enfin bon, pour le coup, je pense que c'est absolument nécessaire pour gagner. Si on veut être là avant les forces ennemies, souvent, dans beaucoup de batailles, ça nous. Ça, malheureusement, j'y peux pas grand-chose pour l'instant. On viendra là plus tard. Hein. D'accord. Donc là, on va se faire les 10 000 hommes, 11 000 hommes, même, pardon. Je sais pas si ça va nous. C'est des petites armées, ça représente pas grand-chose pour lui, mais. J'ai pas le choix. C'est ça ou rien. Ah, quand même. Je l'ai eu. Cette fois, je l'ai bel et bien détruit. C'est cool. Là, on a perdu la province. Là, on n'a toujours pas débarqué. Ok. Ah, c'est chiant. Pourquoi il me zoome pas sur la province comme il faut, quoi? Ça, c'est complètement pénible. Là, 12 000 hommes. C'est pas des masses. On va descendre avec ça. Ok, ça c'est cool, on a eu notre bonus. Ouais, ça c'est bien. Du coup, ça on va le reprendre quand même. Ça va nous prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. 32, hein, si vraiment il voulait passer dans le rouge là, parce que déjà avec 32, on pourrait avoir ce qu'on lui demande là, mais là on demande vraiment pas grand-chose, hein, pour être tout à fait honnête.
On a 4 territoires, je crois. Donc ça suffit pas, évidemment. S'il passe dans le rouge, on pourra demander, à mon avis, le double. Après, ça dépend de la taille des territoires, mais... Ok, ça c'est cool. Donc on va tous repartir là, ici pour l'instant. On va faire les chambres des comptes là. Ça c'est du gros bénéfice. Ah putain, il a fait 3 3 stades d'un coup là. C'est pas grave, je trouve que le son n'est pas fort, c'est bizarre. Ok. Un territoire de plus de perdu pour lui. Alors, est-ce qu'on a d'autres forts? Il y a celui-là, j'irais bien profiter de son siège. Ah, mais il n'est pas avancé du tout le siège, il n'a pas assez de troupes. Du coup, ça m'embête, il a fait 3 étapes d'un coup là. Là, c'est fait. On va aller à côté. Je vois pas trop de flotte. Il y en a une ici là, mais. Le problème, c'est qu'on peut pas trop lui courir après, on le rattrapera jamais. On peut y aller comme ça, c'est fun, mais très clairement, on l'aura pas comme ça. Et ça, j'y peux pas grand-chose, j'avoue, dans l'immédiat. Alors, ouais, on va essayer de lui courir après, mais j'y crois moyennement quand même. On va faire le tour de l'Australie. Je pense que ça va se. Ça va servir à rien. Ça c'est bien, j'ai quand même bien fait le ménage, je trouve là. Je sais pas du coup ah, où sont ces armées honnêtement. Ah, ils sont là. Il y a des Espagnols là ou pas? Très peu en fait. Hein. Très très peu. Bon, bah, on va continuer à taper sur. Sur les noms espagnols, hein, tant pis. Là, j'ai pas de leader, ça m'embête un peu quand même. Pour le coup, on va attendre les renforts. Ok. Ouais, peu importe comme ça. Il veut pas passer dans le rouge, hein. Il est chiant. C'est normal, de toute façon, il se bat pas. Les Espagnols se battent quasiment pas en fait. Ils font se battre les autres. Donc ça va être très très long. Ma patience a des limites. 22 navires, c'est pas beaucoup. Il a disparu là, je sais pas où il est parti. Donc on va faire le demi-tour. On va retourner là chercher nos troupes. Alors, Baron Pillard, j'aime pas trop ça d'habitude. Parce qu'il faut faire un choix. Qui en général de toute façon n'est pas intéressant. 15 de loyauté. Les marchands ont toujours trop d'influence, donc on va baisser l'influence des marchands. Tant pis. Ok, ça c'est cool. Ah, c'est cool. Ah merde, j'ai déjà perdu la ville là. Ok. On va essayer de la reprendre aussi vite qu'on l'ait perdue. Mais ça va, quoi qu'il arrive, nous prendre un peu de temps. 34, hein. On progresse sans arrêt, forcément. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas, quoi, sérieux. Au bout du monde, c'est sympa, hein, mais c'est compliqué après pour revenir, en fait. C'est surtout le retour qui pose problème, je crois, en fait. Elle est où ma flotte, là, pour le coup? Est-ce que là, ils sont pas très loin? Mais c'est pas les Espagnols, mais bon, tant pis. Si on peut accumuler quelques points de victoire en plus. Ah, oh, ça fait mal. Ça fait mal à mon PC. Bon, ça, on va essayer de le reprendre. Il n'y a personne a priori dans le fort ou pas grand monde. Par contre, j'ai pas de leader, c'est bête. C'est pas grave. Là c'est bon. Ah merde. Oh là là là. Ça c'est les gens. Ouais mais ça c'est pas grave à la guerre. C'est pas chez nous. On va aller les aider mais un peu plus tard. Pour l'instant on s'en occupe pas.
Ah bah finalement, on les a rattrapés. Une belle victoire, des navires capturés. Donc ça, c'était bien cool quand même. Ça pourrait être inquiétant. Merde, je serais pas là à temps. Bon, c'est pas grave. Il a pas beaucoup d'hommes, hein. C'est ridicule en fait. Alors 35. On s'est refait 9 points. On pourrait se prendre cette île-là en plus. Mais vraiment, le passer dans le rouge, là, ça ferait la différence, en fait. C'est bête. Parce qu'on est pas mal, hein. Là, on est déjà pas mal, mais... Ah, putain, c'est long. C'est très, très long. Ah, 18 navires espagnols, pour le coup. Il va où? Il va là. Ah là, on va l'intercepter. Ça, c'est cool. J'ai plus de leader, hein. Je pourrais en reprendre un pour l'occasion. Si on pouvait lui couler ses navires. Je sais pas si ça le fera basculer, mais en tout cas, tous les points sont bons à prendre. Alors, regardons, parce que le but, c'est de pas perdre de bataille au dernier moment, qui nous ferait perdre des points de victoire. Et ça, c'est quand même bien finalement, hein. Je lui ai tout coulé. Et je sais pas s'il y avait des troupes dedans, mais c'est pas impossible en fait. Bon, évidemment, ça change rien pour. Ah, il était à 12, il est plus qu'à 10. Hein. Qu'est-ce qui pourrait le faire basculer? Espagne. Puissance des deux camps. Ouais, c'est compliqué. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est ridicule, mais c'est vraiment pas beaucoup quoi. On se contente de ce qu'on a. Là, ils sont arrivés, c'est bon. On va tout de suite les embarquer parce que du coup, ça m'intéresse d'aller chercher cette armée-là. Ok, là, j'ai peur qu'il gagne en fait, là, c'est ça qui m'embête. Là, ils vont gagner, mais bon, tant pis. Une tribu Makua demande votre aide, ouais. On va lui donner... Ah, il y a des navires là. Ça, c'est intéressant. Malheureusement, j'ai embarqué des troupes, mais bon, on va quand même essayer de les. D'habitude, je fais pas parce que c'est un peu risqué. Mais on va lui courir après pour le coup. Je sais pas si on va réussir à le rattraper, mais. Ah non, il s'en va là. Il s'en va, on le rattrapera pas, hein. Non. Oh, par contre, ça. Ça, c'est très très bon par contre. J'espère qu'on va arriver à temps. Il n'y a pas de transporteur, parce que c'est bête, quand il y a des transporteurs, ça veut dire des troupes dedans, mais... Tant pis, c'est déjà ça de pris. Donc là, il a gagné, malheureusement. Je peux pas sacrifier... On va essayer d'envoyer la moitié de nos troupes pour les intercepter. Alors du coup, là, ça se passe comment? Ouais, c'est bien ça, on les a tous coulés. Ça, c'est particulièrement bien. On est à 40%. Tout à fait le genre de choses qui pourrait le faire basculer quand même parce qu'il... Ah putain. Mais ça, c'est les troupes espagnoles. Hein. C'est le genre de... Le genre d'armée qu'il faudrait que je me fasse. Plus que les 2000 hommes, quoi. Toujours pas. Non, toujours pas, putain. Ah, j'ai perdu un point en plus. On est à 10 points, hein. Franchement, c'est énorme. S'il passe dans le rouge maintenant, on peut lui prendre, pour le coup, beaucoup de provinces. Déjà, là, on en prend pas mal. Ah, c'est dommage que j'y arrive pas. Parce que là, il y a un moment, je vais craquer, je vais signer la paix, très clairement.
23 000, hein, c'est pas énorme. Hein. Je me demande s'il n'y en avait pas plus que ça la dernière fois qu'il est venu. Je sais pas s'il n'y en avait pas 30 000 quand même. Ou alors c'est moi qui avais moins de troupes, peut-être que les troupes se sont renforcées depuis. Là on va attendre qu'il ne puisse plus faire demi-tour. Et on va lui sauter dessus. Ah, j'en suis réduit à ça, hein. Me réjouir de... En plus on n'arrive même pas à se les faire. Me réjouir de prendre 2000 hommes. Mais c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Alors ça, ouais, là il est en train de reprendre quand même quelques... Ah merde, là j'ai oublié. On va essayer de le courir après, hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, ça c'est cool. Très clairement, c'est pas ça qui va le faire basculer, hein. 7. Il était à 10 il y a un mois, quoi. Donc ce qui pourrait le faire basculer, c'est peut-être les 23 000 hommes ici sans leader. D'ailleurs, il s'en va. Ça, il n'a pas trop confiance. Il faut que je fasse gaffe, hein, que je perde pas de bataille bêtement pour le coup. C'est pas le moment alors qu'on est prêt à... Là on est prêt à signer la paix, honnêtement. C'est une question de... Vraiment de mois ou de jours. Et il s'en va. Ok, là je vais reprendre, peu importe. Ça, on s'en fout. 41, c'est la première fois que j'atteins les 41. Ok, ça c'est cool. On lui laisse aucune chance. Mais ça compte tellement pour rien dans son armée, quoi. C'est vrai que c'est assez ridicule. Mais bon. Ah, ce qu'il faudrait mieux que je continue à faire, c'est d'essayer de chasser ses flottes. Ah, là par contre, non. Il s'en va vraiment pour de bon. Toujours pas. Putain. Et il est plus qu'à 6, hein. Par contre, on a atteint le maximum ici. Donc c'est pour ça qu'on stagne un peu là. Mais on peut lui prendre beaucoup de provinces pour le coup. Là, on peut le couper en deux. Comme ça peut-être. C'est bête que... Pourquoi je peux pas prendre celle-là? Un truc qui m'embête là. Il est impossible de choisir cette province car Uzegi ne peut la légitimer. Alors que eux ils sont là, c'est pas des colonies. Je comprends pas trop en fait, c'est pas grave. Là ça m'embête honnêtement. Est-ce que je vais l'aider? Je suis pas sûr du tout d'arriver à temps en fait. Ah! Bien la première fois. Là on a repris un fort. Alors, on va s'occuper de cette révolte quand même. Bon, ce qui est dommage c'est qu'il va remporter une bataille là. Mais bon, c'est comme ça. Réfléchissons. Là on a tout repris ici. Là on a tout repris. Non, pas encore. Ouais, merci, ça me sert pas à grand chose. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer. Comment on peut faire là? Faut que je cumule des points vite. Et... Faut que j'essaye de l'épuiser encore plus. Des Espagnols, il n'y en a plus là. Il n'y a plus d'Espagnols nulle part. Je commence à avoir beaucoup d'argent là. Non, là il n'y a plus rien. Ah si, il y en a une ici, on va faire. Et là surtout. Ok. Bon, ça on s'en fiche. Il n'y a pas d'Espagnol. Les seuls Espagnols sont là-bas. J'espère que le temps d'aller là-bas, la paix sera signée quand même. Donc ça m'intéresse que moyennement. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être reprendre des provinces, mais... C'est
c'est évidemment pas très intéressant. Ah, est-ce qu'il ressort là? Ah, il ressort. C'est sur lui qu'il faut que je... Je pense que si je me fais cette armée, par contre, il a mis un leader, évidemment. Et on va continuer à reculer. Il faut que je laisse avancer. Là, ça a donné quoi, là? Ouh, par contre, si on prend ça... Oh, ça, c'était 4 points de victoire. Alors là, c'est héroïque. Putain, je sais même pas si... S'il passe dans le rouge, honnêtement, je lui prends la moitié du Mexique, là. J'ai plus le choix, il faut que je le fasse pour le coup. Là, on va se réunir ici. Je me méfie. Faut pas non plus qu'on perde de bataille, évidemment. Ça, c'est bon. Enfin, pas trop, je veux dire, on peut en perdre, évidemment, mais... surtout mes alliés, pardon, qui vont en perdre. Donc ça, on va embarquer. Ouais, je suis à moins 37, hein, je me maintiens. Et on va aller faire des blocus là. Alors ça, évidemment, c'est pas très bon, mais c'est pas grave, hein, c'est une petite bataille. On va peut-être perdre quelques points, mais rien de bien capital. Par contre, celle-là. Ouais, c'est bête, j'ai pas trop envie de me battre avec mon armée régulière. J'avoue. Je préférais que ce soit. Alors donc là normalement on devrait faire un blocus. Ouais, on va. Ah merde, j'ai oublié mes troupes. Par contre, il a. Mer de Micronésie, c'est où ça? Sérieux, c'est là-bas. Il a pas de leader, hein. Donc c'est pas impossible que j'arrive à le rattraper. Alors c'est ça qui va m'intéresser, sérieux. Là. Ah merde. Ok, maintenant on peut essayer de l'avoir. Il a enlevé son leader en plus. Donc là j'ai une vraie chance pour le coup. S'il ne le remet pas. Ouh, c'est pas mal ça. S'il ne remet pas son leader. Là on va faire des points. Enfin si je gagne. Là, on va aller ici. Ouais, je vois pas comment je peux perdre. Il n'a pas remis de leader. Le terrain est neutre. On aura peut-être la rivière contre nous, mais avec le score de manœuvre qu'on a, on devrait s'en sortir. Allez, il faut qu'on la détruise là. Yes! Ouais, ça change rien pour l'instant. Non, putain. Non, malgré tout, ça change rien. Et il est à zéro. Ça change quand même, hein. Ça change que maintenant le score de bataille. Non, hein, enchaîner les victoires, on n'est qu'à deux, quoi. C'est vraiment pas très sympa, quoi. Par contre, ça, on va pas le louper. Ok, ça c'est cool. Oh, faible. Moins 1. Et du coup, on se reprend 9 points en plus. Ah, ça fait plaisir. On va prendre plus de territoire chez nous pour un peu le chasser. Même peut-être ici. Mais ça va nous coûter cher, donc je suis pas trop chaud pour en prendre trop. Ouais, pourquoi pas quand même. Là, on va lui en laisser un de plus, comme ça. Voilà. On prend pas les réparations de guerre, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qu'il faut que je vérifie, tout ça, on l'a bien pris pour nous. Ouais. Comme ça va être donné au bon propriétaire en truc. Ah là, il avait été loin quand même dans les conquêtes. Ok. Bon, honnêtement, là, c'est une très très grosse victoire pour le coup. Le Mexique et la Californie vont en être renforcés. Est-ce que je pourrais donner plus de territoire à la Louisiane? Non, ça va pas le faire. Faudrait que je refasse tous les calculs. Un petit accès à la mer à la Louisiane, là, ce serait bien quand même.
Ouais, non, il voudra pas, j'ai pas pris le fort. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Pas d'argent, rien, mais par contre, un nombre de territoires absolument impressionnant. Une démonstration de force de... Combien de points? 16 points. Donc ça, c'est cool. Ah, ça, c'était la première vraie victoire. Et du coup, je me dis qu'ils vont peut-être arrêter quand même à un moment ou un autre de nous enquiquiner. Le Mexique, c'est très très gros maintenant. La Californie, on pourra pas la faire grandir plus, sauf ici sur Zunis peut-être. Ok. Ah, je suis quand même content là parce que c'était vraiment une grosse grosse guerre. On va renvoyer tout ça. C'était les seuls mercenaires que j'ai de mémoire, ouais. Ok. Oh, c'était 3 épisodes encore de guerre, mais là pour le coup, c'était vraiment bon. On n'a pas tant de territoire que ça à gérer. Je pourrais donner ça vite fait à Cebu ou à Béraud, peu importe. Béraud, bah les deux en fait ont des revendications, donc on va plutôt le donner à Cebu parce que je pense que Béraud est plus gros. Tété, c'est ça. Ok. Il y en a peut-être d'autres, hein, ceci dit. Palu. Je pourrais le donner à Louhou. Est-ce que quelqu'un a fait des revendications là-dessus? Béraud. Bah, je vais le donner à Béraud puisqu'il a des revendications. Allons-y gaiement. Ok, accorder une province. Béraud. Palu. Ok. Ensuite, ça, on va le garder. Ça aussi. Ça aussi. Et ça, on va le donner s'ils ont fait quelque chose. Ouais. Ternate. Ah, c'est jamais celui que je pense qui a fait quelque chose, mais peu importe. Ça me va très bien comme ça. Kendari. Ok, pour le coup, c'est bon. L'épisode fait 27 minutes. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est qu'on intègre des gens là rapidement. Alors, on va pas pouvoir là tout à fait encore. On y est presque, hein, je crois. Qu'est-ce que j'avais fait là-haut? Oh, quel bordel! 165, ah, ça va être compliqué. Cebu, on n'était pas à Cebu, 149. On va leur donner de l'argent, c'est pas grave. Alors, ce qu'on doit faire là, tout de suite, c'est d'aller régler toutes ces révoltes. Ça va pas être trop compliqué. D'abord, celle-là, je l'avais pas vue, hein, j'avoue, j'avais loupé ça. On va relancer le temps là. Ouais, pourquoi j'ai de l'attrition là? Ah, c'est des petites provinces peut-être. Voilà, la coalition va disparaître très rapidement. Je pense qu'on peut pas trop se refaire une guerre tout de suite. On peut se faire du petit comme d'habitude après chaque guerre contre les Espagnols. Donc c'est ce qu'on va se faire. On va ramener ça par là. On va d'abord attendre que tout le monde se retire. Doucement mais sûrement. Est-ce que j'aurais pas un marchand de plus? Oui, j'ai dû atteindre les 10 provinces avec le Canada peut-être cette fois. Et du coup, là c'est fait déjà. Là, j'irai bien. Il y a beaucoup de choses qui s'en va, mais ouais, pour l'instant, on n'est pas top, j'avoue. C'est compliqué le commerce. On verra à la fin si on arrive à être assez puissant pour mettre le commerce en Afrique. On verra si c'est possible. 50 points militaires, ouais. Ok, là on va tout de suite embarquer. Il y a du boulot quand même sur toutes ces révoltes, hein, j'avoue. Par contre, il faut que je remette les navires marchands à fonctionner. Est-ce que j'ai un peu repris? Oui, j'ai pris l'avantage, hein, finalement, c'est venu assez rapidement.
Ok, ça c'est bon. Bon, j'avoue que je suis un peu fatigué là, je vais me faire une petite pause. Voilà, ce que je voulais faire c'était récupérer ça. Et remettre ça sur le Japon pour l'instant. Ok. Là on va y aller. On va essayer de mettre quelqu'un comme ça. Voilà. Là le chemin est assez long. Là c'est pareil, c'est long. Là on est prêt. On va peut-être attendre un peu, hein. Je peux pas me mettre à l'entraînement parce que je suis pas sur un de mes territoires malheureusement. Ça c'est con, mais c'est comme ça. Et là j'ai trop de troupes, c'est quand même bête d'avoir de l'attrition. Bon, c'est pas grave. J'y peux pas grand-chose. Alors ce qu'on va faire. Oh, ça... ouais, il va y avoir plein de révoltes, hein, ça c'est clair. Du coup, on va se faire ça, on va se faire ça. Je pense qu'il faut, ce qu'il faut que je fasse, c'est que ici, on va donner de l'argent. Hein. On en a beaucoup. C'est des petits pays, ça va pas nous coûter trop cher. Ouais, ceci dit, ça coûte quand même cher. Merde. Alors qu'on y arrive, quoi. Non, 2 points, on n'y arrivera pas. On peut plus faire de mariage. D'accord. Donc là, on est bloqué. Zut, alors en fait on n'en a pas assez. Alors ça je m'y attendais pas. Alors là on va être obligé d'aller se faire ce qui est là-bas. On va peut-être rester avec... Alors du calme, du calme. Ah non, il me met pas au bon endroit, sérieux. Ça on va le laisser faire pour reprendre ça, c'est bon. Là il y va. Là on va... garder 2000 hommes avec nous quand même pour reprendre la province et on va aller là-bas, le chemin est long. Ça c'est fait. Bon, c'est bon. Alors, par contre là je sais pas comment ils vont revenir les autres, hein. Ils sont coincés là, ça va leur prendre du temps, hein. Surtout que l'ordinateur est pas forcément très doué pour faire ça. L'épisode fait 32 minutes, je vais m'arrêter là. Donc la question se pose sur eux là. On a des choses à faire quand même pour améliorer nos relations. En dehors du don, on peut faire aussi s'attirer les faveurs. Chaque mois notamment, il faut se... ouais, croître le nombre de points de faveur. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos relations? Influencer. 25 son opinion à notre égard sur un avantage de 1 point et nous ça va nous coûter 436. En fait c'est un peu pareil. 436 ça fait beaucoup. Faire un don. Ouais ça me coûtera pas 436 ici pour arriver à ce que je veux. Ça a quand même. Ouais, en fait on est sur le même ordre de grandeur en fait c'est con mais. 193, parfait. Donc là, on va l'intégrer tout de suite. Ok. Il faut que j'attende le 2 décembre. C'est pour ça que ça va être compliqué de finir les intégrations parce que on a beaucoup de colonies en fait. Faut plus que j'en fasse là, grosso modo. C'est fini, faut plus que j'en fasse. Sinon, on n'y arrivera pas parce qu'à chaque fois, c'est moins 30 de relations avec toutes les colonies suivantes. Donc c'est un peu compliqué, j'avoue. On peut payer évidemment, mais ah là c'est beaucoup moins cher. Ça c'est cool. Donc on va aussi se faire celle-là. Ouais, ça suffit pas. Ah, il nous manque pas beaucoup, mais avec un moins 87, c'est vrai que c'est compliqué quoi. C'est pas grave. Moins, on n'est pas très loin, donc on y arrivera. On va tout de suite intégrer cela. Voilà, exiger l'annexion. Et je m'arrête là. Je vous donne. Ah, j'arrive pas à y aller là. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.